Hey, salut à tous, bienvenue pour le prochain épisode. Donc là, on va parler de Disney+, comme vous l'avez vu sur le titre. Disney+, une arnaque, entre guillemets, avec des points d'interrogation. C'est toujours intéressant, voilà, de faire des titres un peu putaclic comme ça. Cliquez, cliquez, c'est toujours bien, ça fait des vues. J'aime tout ça, j'aime les abonnements, on va pas se mentir. Alors, j'attends un petit peu, hein, faites vos bails, les gars. Faites vos bails, je vois que vous vous ennuyez, hop, tu fais un petit clic, c'est toujours très intéressant. Donc moi je fais partie, c'est sûr, des personnes qui est légèrement contre le streaming, même si je suis pas tout à fait contre le streaming parce que je pense avoir quasi toutes les plateformes sur ma télé. Mais je fais partie quand même des personnes qui aiment beaucoup le matériel. Je pense que derrière, hein, je peux en attester que le matériel c'est mon truc. J'aime la collection. Mais ce qui est bien dans les plateformes, c'est que ça te permet de voir les films que tu pensais pas acheter. Et au moins ça permet de les découvrir et potentiellement les acheter après. Et puis ça fait découvrir des séries exclusif, hein. Je pense que tout ce qui est Stranger Things et tout machin. D'ailleurs, ça va être mon prochain épisode, hein. Je ferai un top 5 sur mes meilleures séries Netflix. Voilà, je pourrais un peu de ce qui se passe un petit peu après. Mais ouais, toujours intéressant quand même de découvrir des choses. Il y a quand même de belles choses, on va pas se mentir. Je vais pas cracher dans la soupe non plus. Mais bon, je fais partie quand même des personnes qui sont légèrement contre le streaming parce que bah, forcément, ça tue le matériel. Donc, s'il faut parler de points positifs de Disney+, ça va être forcément, et ça, je pense qu'on peut tous un petit peu le dire, c'est l'interface qui est très propre. Elle ressemble beaucoup à Netflix, mais je trouve qu'elle est même légèrement plus propre que Netflix parce que Netflix, elle va avoir ce petit défaut, c'est que peu importe les séries que tu vas regarder des séries et tout, et des fois, ils vont te mettre en avant, on va dire, des séries. Bah non, du coup, c'est dommage que ça va pas mettre en avant. Pour vous donner un exemple, je sais pas, on va regarder une série et voir genre du temps, Timeless, des choses comme ça, Scorpion, un truc comme ça. Je crois que c'est sur Netflix, tout ça, que je dis pas de bêtises. Et bah, ils vont pas vous proposer les séries dites incroyables pour moi, les Stranger Things, ils vont pas vous proposer les Peaky Blinders, les Ozark et tout, et c'est extrêmement dommage. Bon, Stranger Things, je pense qu'elle a son public, hein, la Casa de Papel, toujours, ils ont leur public, mais Ozark, vous voyez, non. Voilà, ça a moins son public. Donc forcément. Et c'est dommage parce que je trouve que leur suggestion par rapport à ce qu'on a vu avant n'est pas forcément en adéquation avec potentiellement ce qu'on aime. Une fois, ils m'ont proposé une série ou je crois ou un film sur les vampires. Que je m'en bats les couilles des vampires. Je déteste ça. Donc vous voyez, il y a un contraste sur ça qui fait que je dis non par rapport à ça. Donc en tout cas, oui, Disney est beaucoup plus épuré pour le moment. En tout cas, on verra quand ils auront plus de choses. Donc, oui, forcément, Disney+ va nous apporter quoi? Les classiques Disney, les Pixar, ils vont nous apporter les Marvel, les Star Wars, truc géographie là, je sais plus. C'est intéressant, c'est sûr, c'est génial, mais c'est se reposer un peu sur ses lauriers, je trouve. Donc là, on part sur vraiment des choses bah, dites basiques, quelque part, on connaît, moi, j'ai la plupart des choses voilà, dans mes DVD Blu-ray, donc forcément, je ne vais pas les regarder là, je vais les avoir en meilleure qualité en Blu-ray, tandis que là, ils sont en bonne qualité, mais ils ne seront jamais au niveau de mes Blu-ray, donc vous voyez un peu, c'est paradoxal. Je trouve que ils vendent ça un petit peu pour les personnes bah, qui n'ont pas de Blu-ray et tout. Ça peut être intéressant, effectivement. On les voyait nulle part, hein, à part quelques-uns sur MyCanal. Donc voilà. Toujours un connard pour faire la tondeuse, non? Voilà, excusez-moi, hein, si vous avez entendu du son, c'est un connard qui est en train de faire la tondeuse. J'ai fermé la fenêtre pour essayer de pallier à ce petit problème. En point positif, effectivement, on va parler de la série Mandalorian qui est à la fois un point positif et un point négatif. On est sur des séries, on est sur une série clairement avec des épisodes qui durent 20, 25 minutes, 30 minutes. Bah non, les frères, oh, c'est pas des Malcolm. Là, on part sur une série qui était censée durer 45 minutes, 50 minutes, 1 heure l'épisode. Je suis désolé, certes, il y a du budget, mais bon, pour moi, il n'y a pas plus de budget qu'un Stranger Things. Arrêtez vos bêtises, les mecs. Donc oui, c'est une bonne série. Je vous dis c'est une bonne série, j'ai vu que 4 épisodes, faut que je batte les 4 autres. Mais peu importe, ce que j'ai vu c'était assez bon, hein, clairement. Pas extraordinaire, mais assez bon. Une musique par contre incroyable. Là pour le coup, celle-là, elle est dans ma playlist. J'adore la musique de Mandalorian. Voilà, je pense que ça sera malheureusement la marque de fabrique un peu de toute leur série. Je m'avance en rien dans le sens où, voilà, hein, on verra bien. On verra bien, c'est que la première série. Mais je pense à un moment donné, ça risque d'être leur marque de fabrique. Le 20, 25 minutes, 30 minutes, ça va être leur bail. Je pense qu'on va pas trop s'attendre à plus, hein. Donc par contre, gros point positif, on parlait des documentaires Disney qui est pour moi la force de Disney plus que tout le reste. Hein, il va avoir bah, la série de documentaires Imaginaries. Donc là, on va parler justement de la création de Disneyland.
Ouais, mon frère, couché. Donc, dans les différents pays, forcément, hein, on va partir du début, quand Walt était vivant, qu'il a créé les premiers parcs en Amérique. Donc, le premier, je crois qu'il y en a eu un deuxième, dit un peu bis, voilà, qui n'est pas vraiment Disney, Disney avec les attractions et tout. Donc, on va aller jusque celui-là du Japon. Après, il y a eu celui-là à Hong Kong. J'étais même pas au courant qu'il y en avait un à Hong Kong, en Chine. Assez fou. Voilà, et au même moment, il y a eu celui-là de Paris qui s'est créé. Voilà, on va aller jusqu'au Disney Studio, toutes les créations. On va voir aussi les merdes qui leur est arrivé, ça c'est assez intéressant. On voit leurs merdes qui leur est arrivé, ils vont vraiment montrer ça dans des images d'archives et tout, très intéressantes qu'on n'avait jamais vues. Et ouais, on y voit toutes leurs merdes et tout, c'est hyper intéressant. Les complications qu'ils ont financièrement et tout, le fait que Pixar les a beaucoup sauvés, hein, ça a beaucoup sauvé justement la société. À savoir que dedans il y a aussi un documentaire de Pixar de 2007, voilà, qui est assez intéressant, que j'avais jamais vu et qui s'allie vachement avec Imaginaries. Donc je vous conseille aussi ce documentaire qui est excellent. Ça vous permet de savoir bah, Pixar que c'est des boss quoi. Voilà, tout simplement, vous voyez la création, le fait que c'est les précurseurs, qu'on crée le premier film en 3D de ouf, voilà, Toy Story ça a été en 95, ça a été une évolution dans le cinéma de l'animation. Voilà, et tout ce qu'ils ont apporté après à Disney, le rachat total après qu'il y a eu après. Assez intéressant, je vous conseille, ça se mélange bien avec la série de documentaires Imaginaries. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce type de documentaire. Jeff Goldblum aussi a fait des documentaires que je n'ai absolument pas vus. Je vais regarder, mais je pense que les documentaires de Disney+, c'est une force dans la plateforme. Pour le coup, je vous conseille. Pour ceux qui ont un peu peur de VO sous-titré français et tout, à savoir que ça a été traduit, des gens qui parlent directement derrière en français. Il y a 2-3 sous-titres de temps en temps. Mais voilà, pour ceux à qui ça fait peur dans les documentaires, sachez que vous pouvez être tranquille. Donc oui, évidemment, il manque beaucoup trop de Marvel, c'est une évidence. Je pense aussi qu'il doit manquer 2-3 Star Wars dans l'histoire. Voilà, donc non, 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 c'est sûr que j'ai envie de dire non, mais bon, avec les règles en France de attendre 3 ans avant que ça soit sur une plateforme et que Canal qui arrive à déroger à la règle, mais parce qu'ils mettent de l'oseille effectivement dans le cinéma français, et que j'ai pas de bêtises, je crois que c'est vraiment ça qui fait que ça les différencie des autres. Mais voilà, c'est vraiment l'aspect dommage, c'est qu'il manque ça, c'est pas de leur faute, je sais bien, mais c'est quand même dommageable. Parce que en Amérique, ils vont avoir le film en avant, et là on va pas l'avoir. Et du coup, bah forcément, le fait qu'il ait pas pu se défendre au cinéma, comme j'en ai parlé dans un ancien épisode, forcément, s'il est qu'en Amérique, ok, ils font des vues, mais dans d'autres pays aussi, on peut permettre de faire des vues à ce type de film-là pour lui permettre de faire une suite et lui apporter une autre aura. Donc voilà, ça restera un film sous-coté à voir, à faire à suivre. Donc bah oui, on est au début de la plateforme, mais forcément qu'on est sur un manque de création propre. Bah écoutez, ce qu'on va faire, ça va être assez intéressant. C'est que je pense que d'ici un an, je vous ferai sûrement une analyse de la suite par rapport à Disney+. Voilà, en prenant en compte qu'il y a eu un 2 mois de confinement, même des fois un peu plus. Il ne faut pas lier, regarder avec tous les pays et tout. Ça va être intéressant, je pense, de pouvoir parler de tout ça, quoi. Mettre en compte tout ça et voir justement si les créations ont pu suivre tout ce qu'ils ont prévu avec le Soldat de l'Hiver, le Captain America, la série Loki aussi. Et je crois qu'il y avait d'autres choses de prévues derrière. Voir si justement ça suit la route, s'il y a encore d'autres choses de prévues d'intéressantes qui vont être concrétisées. Avoir, faire un bilan justement de dans un an comment ça se passe. Là, je vous fais un bilan de ce qui se passe après 1 mois d'ouverture de cette plateforme-là. Je me suis dit ça pouvait être intéressant de pouvoir en parler. Voilà, maintenant on attend de ce qu'il va y avoir après. Et oui, effectivement, il faut parler d'un autre point négatif, ça va être la censure chez Disney. Je sais que dans un film, je n'ai plus, je sais plus c'est quoi le film qu'ils ont mis, mais il y a une scène où on voit justement une paire de fesses, ce qui donne tout l'ampleur justement de la scène, voilà, parce que ça va parler de la nudité et tout. Ils vont faire un gros zoom, gros plan sur seulement le dos. Je trouve ça un peu petit chez Disney, et ça va être malheureusement le problème qu'ils ont depuis toujours, voilà, c'est que faut que ça soit politiquement correct. Quelque part, voilà. Alors qu'avec des boutons tout simples que Netflix, grâce au système américain de la vie, ils ont fait un système de on fait un compte pour enfants. Hop, que des trucs pour les enfants après. Voilà, c'est juste ça, hein, juste pour dire ça. Donc c'est un peu dommage. Et si vous avez un peu peur, vous le faites votre truc censure, mais que pour le compte pour les enfants. Voilà, tout simplement. Nous, les adultes, on a peut-être envie de voir le film complet comme il était. Et je suis extrêmement déçu, personne n'en parle, mais on en avait parlé effectivement. Ils ont enlevé un des meilleurs épisodes des Simpsons. Très bien, vous avez les Simpsons. Je vous fais un bisou. C'est excellent. Je les ai en DVD, je m'emballe avec un peu. Mais c'est excellent. Vous avez enlevé juste le meilleur épisode. Heureusement que j'ai dans mes DVD.
Dans la saison qui est pour moi la meilleure saison de tout Simpson, la saison 3, vous avez enlevé le premier épisode, mon pote Michael Jackson, et je vous emmerde, mais je sais que c'était prévu à la base. Il voulait l'enlever dans les DVD et tout. Allez vous faire mettre, c'est un des meilleurs épisodes. Voilà, à un moment donné, portez vos couilles, dites bah non, on soutient cet artiste, c'est quoi le problème? Juste à cause d'un documentaire qui a été décrié et qui a été défoncé de toute façon. Parce que c'était que de la merde. On a un ramassis de conneries et je le dis haut et fort. Dans l'ensemble, s'il faut partir sur un bilan, non, ce n'est pas une arnaque en soi parce que ça ne coûte que 6,99€ par mois, entre guillemets, je mets ça, mais par rapport aux autres plateformes, ils sont quand même bon marché, on va pas se mentir. Et puis derrière, ils proposent des choses intéressantes. C'est juste qu'ils se reposent sur leur laurier. C'est très intéressant pour ceux qui n'ont pas de collection, comme moi, on va dire, hein, et comme beaucoup de la communauté. C'est intéressant, c'est sûr, d'avoir les Disney pour les enfants et tout, c'est cool, ouais, j'avoue, on a les Star Wars, on a les Marvel, c'est top, Pixar, énorme, non, c'est génial, ils ont ce qu'il faut pour à proposer, c'est pas une arnaque. Quand je ferai mon bilan, bien sûr, dans un an, je verrai si effectivement ils se foutent de notre gueule, s'ils ont augmenté les prix et tout, on verra, effectivement, là, on pourra en parler. Ça pourrait être intéressant justement de pouvoir en débattre. D'ailleurs, là, on peut en débattre, hein, parce que je pense que on peut tous avoir un peu des avis qui diffèrent sur Disney+. Il y en a peut-être qui vont dire « Waouh, cette plateforme, elle est incroyable », d'autres qui vont dire « Bah, c'est totalement de la merde », d'autres qui vont dire « Bah, je veux même pas m'y inscrire, c'est quoi cette merde ?» Voilà, je pense qu'on a tous justement des points de vue différents sur ça, et ça serait intéressant d'en débattre. Donc d'ailleurs, hey, hein, tes pouces. Abonne-toi, la petite cloche, je dis pas la notification, mais c'est toujours intéressant. Et c'est toujours intéressant, on va en parler en commentaire. Hein. J'aime bien écrire, j'aime bien les commentaires. Faites des trucs pertinents. M'insultez pas de connard, parce que j'aime pas les gros mots. Mais voilà, ça peut toujours être intéressant. Eh, ça m'a fait plaisir de faire cet épisode-là. La prochaine fois, c'est mon top 5 de Netflix. Et j'espère que ça vous plaira aussi. Ciao les gars, et à très bientôt.